Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans, ce petit prélude à la vidéo Moonrise, donc habituelle. Petit prélude suite à une petite information que je vais vous donner sur le jeu. Donc une information qui n'est pas très 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 joyeuse. Pour ce faire, je vais quand même aller la chercher directement sur internet. Pour pouvoir vous la dire. Hop, enfin vous la traduire en direct. Voilà. Undead Labs. Et donc il y a 21h, donc c'est quelques heures à peine après mon dernier tournage, donc le tournage de cette vidéo Moonrise, que vous allez voir ensuite. Donc bonjour les fans de Moonrise, comme vous le savez, Moonrise a été en bêta sur Steam dans l'option, enfin dans le système d'Early Access pendant les derniers mois. Dans le même temps, il est sorti en version bêta en limité, ce qu'ils appellent une limited release en Australie et au Canada. Durant cette période de bêta, ils ont pu récolter quelques informations sur la façon dont les gens jouent au jeu, sur le modèle free-to-play qu'ils ont proposé pour la version mobile. Et donc voilà, donc ils parlent que c'est assez nouveau pour eux. Il explique qu'en fait tout ça c'était profitable et possible uniquement s'il y avait un support donc monétaire derrière, donc emploi d'achat intégré, etc. etc. Bien sûr, à chaque fois qu'on se connecte à un serveur, qu'on fait quelque chose, enfin qu'on se connecte au jeu, c'est un serveur. Alors qu'il pour moi, il aurait dû être en standalone. Mais bon. Ce qu'on a pu trouver était donc que certaines personnes aiment vraiment Moonrise, mais il y avait plus de gens qui jouaient au jeu quelques jours et puis qui l'arrêtaient. Donc voilà. Ça ne leur a, ce qui fait qu'en ce moment, ça ne leur paye pas leur location de serveur. Hop. Et donc du coup, à la lumière de ceci, nous ne commercialiserons plus le Moonrise. Donc Moonrise n'est plus achetable. Il y aura quelques éléments qui vont améliorer au jeu, voilà. Ils vont continuer à améliorer le jeu, à rajouter des nouveaux Solaris, etc., etc., etc. Ils vont augmenter tout simplement tout ce qu'il y a dans le jeu pour nous permettre de profiter de l'expérience un maximum. Et donc les serveurs continueront de fonctionner jusqu'au 31 décembre à minuit. Voilà. Donc en gros, le jeu s'arrêtera le 31 décembre. Je ne sais pas s'ils ont à ce moment-là choisi de faire le jeu sans serveur, si on pourra continuer à y jouer ensuite. Je ne pense pas. Tout l'aspect PVP du jeu va être détruit de toute façon. C'est certain, parce que s'il n'y a plus de multijoueur, voilà. Et donc j'aimerais mettre en lumière quelque chose, un fait qu'une personne dans un commentaire a sorti, et un fait avec lequel je suis entièrement d'accord. C'est tout simplement le principe du Pokémon-like. Excusez-moi. Le Pokémon-like. Alors, le Pokémon-like, comme vous le savez, il n'y en a pas énormément sur PC. Il y en a beaucoup sur mobile et quelques rares qui ont tenté l'expérience sur 3DS. Enfin, sur console portable en tout cas. C'est pire encore d'ailleurs pour ceux qui ont commencé la console portable sur ce genre de jeu, et sur la console Nintendo, quoi, forcément. Donc, le genre du Pokémon-like est extrêmement intéressant pour les joueurs parce qu'ils cherchent tous une alternative à Pokémon. Cependant, il n'y a pas un seul Pokémon-like qui arrive à la hauteur de Pokémon. Ça, c'est un fait. C'est pas moi je le dis parce que je le pense, mais c'est un fait. Malheureusement, moi, pour les gens de ma génération, donc moi, je suis quand même, qui suis pas extrêmement jeune non plus, mais je suis encore jeune. Pour les gens de ma génération, vous avez connu les débuts de Digimon, juste à côté des débuts de Pokémon. Et vous avez pu voir à quel point, en fait, dans la version, en tout cas dans son export européen, Pokémon a bouffé Digimon.
Et bah là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a très très. La plupart des jeux Pokémon-like, que ce soit sur PC ou sur console portable, ont été bouffés par Pokémon. Parce qu'on fait tous la comparaison à Pokémon. Même moi, je l'ai fait le premier en disant que c'était. Est-ce que c'est le Pokémon-like pour PC? D'ailleurs, c'est là qu'est la blague. C'est qu'on dit Pokémon-like. Est-ce que c'est comme Pokémon? Voyez le truc? Et donc, à mon avis, les joueurs ne seront vraiment conquis. Ne pourront faire une vraie comparaison que lorsqu'il y aura un vrai Pokémon, un jeu licencié Pokémon, d'aventure, de capture, un vrai jeu Pokémon sur PC. Donc voilà, voilà. Donc je voulais vous donner la petite formation et vous donner mon avis sur tout ça. J'ai rien contre Pokémon en soi, hein, j'aime beaucoup, hein, je joue encore pour être tout à fait franc avec vous. Je remercie d'ailleurs Miss Blastoise qui fait donc des cartes Pokémon. Je vous invite à aller chercher Miss Blastoise sur YouTube. Qui fait donc des ouvertures de boosters et de cartes, enfin de paquets de cartes Pokémon, et qui m'a donné la force nécessaire à faire cette chaîne, enfin le courage pour la faire. Donc voilà, encore une fois, je n'ai rien contre Moonrise, je n'ai rien contre Pokémon, je vous dis juste que ça c'est un fait. Moonrise s'arrêtera le 31 décembre au niveau des serveurs, et je vous redirai tout ça le moment venu, une fois que j'aurai plus d'informations. Donc voilà les amis, donc je vous laisse à votre vidéo, à tout de suite, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A tout de suite pour le reste d'une vidéo normale. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Moonrise. Donc pour la petite information, c'est l'épisode qui suit. Donc les trois tournages de Robocraft que vous aurez peut-être pu voir, que vous avez pu voir. Où j'ai littéralement pété une durite. Hein. Ce jeu c'est devenu de la... Enfin, je viens d'aller voir pour la blague quand même les essais ce qu'ils appellent de l'équilibrage. Alors c'est pas dur, on va prendre toutes les armes du jeu, on va juste toutes les baisser d'à peu près 15-20%. Donc c'est ce qu'on appelle de l'équilibrage, hein. Le jeu était pas équilibré de base. Hein. Les dégâts, enfin les points de vie des blocs et les points d'armure des blocs, on va les réduire de, je dirais, 15-20% aussi. Et aussi, bah, l'overclocking, on va réduire tous ses effets de 15-20% aussi. Donc en fait, l'équilibrage, c'est juste qu'ils ont rendu... Juste les chiffres inférieurs de 15-20%, sinon ça fait exactement pareil. Voilà, merci. Donc on va arrêter avec ça. De toute façon, ce jeu commence à me gonfler royalement. Il est très très bien, mais il est... Il est fait à la pisse. Mais à la pisse. Vous savez, la pisse des gens qui ont des problèmes rénaux. Pisse bien rouge. Speak to a kill. Give tas de pétales. Tiens, bouffe le tas de pétales. Merci! N'attendez pas à retourner aux Agarid Barrens si rapidement. Alors peut-être que c'est juste pour moi, mais. Peut-être que c'est juste moi, mais on dirait que tu as un plan du style m'asseoir dans une taverne. Que tu avais un plan, que ton plan c'était m'asseoir dans une taverne et attendre que quelqu'un s'occupe de mes problèmes. Rigole si tu veux, mais dans les Agarid Barrens, on apprend que la patience est toujours récompensée. J'ai déjà bénéficié tellement de votre aide. Si vous pouvez m'accompagner à la colonie Kurada, je vous serai encore plus redevable. C'est encore une de ces métaphoriques dettes où tu penses vraiment pouvoir donner une petite compensation pour Marcus cette fois-ci. Ouais, alors, quand j'aurai gagné suffisamment pour finir mon voyage itinérant et revenir dans la maison de la famille, tu seras grandement récompensé. Désolé, Kumail, ne retiens pas ta respiration. Youhou, maintenant la quête c'est voyager. Hop, fini la quête. Ah non. It seems that. On dirait que la mauvaise réputation. Qu'un homme de mauvaise réputation. Qui dit avoir été entraîné par des gardiens, a anticipé mon retour. J'imagine qu'il veut pas être notre ami, c'est plutôt l'inverse. Jeremia, fight Jeremia. Bon bah on va y aller. Sans il avait une sale gueule. J'aimerais que t'as une sale gueule. Pour la référence, chers amis, ceux qui la trouvent, il dit que t'as une sale gueule. C'est vrai que t'as une sale gueule d'ailleurs. Je sais plus c'est quoi la suite. On nous la fait pas, nous.
On est condamné à la chaise électronique dans 15 systèmes. Ça va un truc comme ça. Ah oui, il a évolué l'autre Tintin là. Ah, il a une bonne équipe malgré tout. Hein. Alors, voyons voir. Magma Strike! Alors. Ça c'est fait. Bim! Voilà! Bon! Oh, je viens de lire un truc sur l'équilibrage, mon dieu. Oh. On a réduit le nerf des TX, des armes TX. Enfin, des électroplates TX. Pourquoi? Bah, tout simplement pour qu'elles puissent prendre 3 shots de commandes. Enfin, 2 shots de sniper en pleine face. Et résister. Et péter au niveau du troisième. Bah oui, c'est logique. C'est logique. J'imagine que l'Alliance des Vengeurs est en train d'essayer de résoudre tout ça. Je comprends pas la suite. Je comprends pas. Parce que c'est pas, je comprends pas la tournure de la phrase. En fait, il dit que plus il y a de civils qui sont capables de se défendre, moins il y aura de gardiens qui seront pas employés. Ben non, c'est l'inverse normalement. S'ils savent se défendre, il n'y a plus besoin de gardiens. Bon, c'est pas grave. On devrait rentrer au village de Kijang. Le maître de guilde de Glaskion sera probablement non revenu de son village pour avertir les grands arbres pour à propos de la migration des Sportles. Oui, et en plus il nous doit une conversation sur cette situation au niveau de la Dark Beast, de la bête sombre. Ok, c'est génial. Hein. Tellement d'action. What? J'ai me trompé de clic. C'est possible, ça arrive. Oh Marcus! Thanks the roots, I found... Que les racines soient louées, je t'ai retrouvé. La bête sauvage, la bête sombre a juste envoyé, juste pour chasser ma ville, ma fille dans ma fille Guayani dans le Sagale Ridge. Le monstre a parti, mais maintenant la place est trop dangereuse, l'endroit est trop dangereux pour moi pour l'explorer. Ce serait pas censé être un donjon, t'inquiète pas, on va la trouver. Bon, bah, du coup on va aller dans un donjon maintenant. Hey Kumai, t'as entendu parler à propos des Spire Things là? Des Spire trucs? Je suis plutôt familier avec le concept d'une Spire, donc je sais pas ce que c'est que Spire. Je n'ai par contre pas entendu de LA Spire. C'est juste comme ça, c'est juste quelque chose que j'ai entendu. D'accord, donc apparemment ce serait une espèce de super grande. Super grand phare ou quelque chose comme ça dans le milieu de l'océan. Peut-être qu'on devrait aller voir un de ces quatre. Comment implanter du scénario comme ça au niveau d'une mise à jour en fait, vous savez. La mise à jour est sortie, du coup il nous plante un truc de texte à ce moment-là. Enfin bon. C'est pas grave. C'est parti. Première porte, combat. Ok. Je pense que je vais envoyer lui et lui. C'est parti. Et boum, c'est fini.
Bon, ça c'est fait. Non, non, non. Alors. La suite. Oh, c'est sympa ça. Je sais pas si j'en ai, je crois que j'en ai une. C'est pas un truc genre Zingbat, ouais voilà. Je vais dire Zaybat, mais non, c'est pas ça. C'est parti! Caustic Needle! Oh le pied! Magma Strike! Storm Cannon! Demande si elle évolue en dragon là. Si elle évolue en dragon à la fin, Sly Spark. Espèce de dragon, ça pourrait être cool. En tout cas, on gagne plein d'essence. Ça fait longtemps qu'on les a pas up d'ailleurs. Il nous faut beaucoup d'argent pour ça en fait. Surtout ça qui est chiant. En fait, je pense qu'il y a moyen de se faire beaucoup d'argent en revendant tout ce qu'on a. Enfin, je pense. Ce n'est que mon avis hein, personnel. Allez, hop. Je suis sûr que je vais one shot le Rizzo. Je sais pourquoi. Je le sens bien. Ah oui. Ah non, je pense. Si, c'est bon, il s'en est pris. Ah bah, j'aurais pas one shot alors. Mais bon, là si. Voilà, ça c'est fait. Il n'y a pas une super méga quantité de monstres affolants dans ce donjon, hein. You win! Ouais! J'aimerais bien trouver un monstre un peu plus classe que le Crown Lord qu'on a. Parce qu'au final, je ne l'utilise pas. Ou alors, je mettrais le Vulcature. L'évolution de Vulcature, le magma. Magma truc. Hop là. Il va se faire bouffer. Voilà, il s'est fait bouffer, merci. Merci d'être venu. Allez, le boss. Ouais, génial. Que des Zingbat. Hop. Voilà. Avec un peu de bol, ils vont être immunisés. Allez voir. Hein. Spark barrage. Voilà. Allez, bouffe. C'est l'heure du repas. Voilà, ça c'est fait. Alors, on en a une de niveau 3. J'aimerais voir Zingbat, j'en ai combien? Du avoine. Niveau 3, je dois pas en avoir des masses. Je vais la prendre. Hop. Oh, une Warden Key. Génial. Ici, on a Advanced Device. Ouais, on a plein de trucs. Ah! Dommage que ce soit vert. Si je peux peut-être mettre ça en une autre couleur, ça pourrait être cool. Manage Inventory, voilà, on a encore une chier d'objets. Mais on ne sait pas c'est dans quoi. Voilà. Ça, je veux vendre. Ça, je veux vendre. Oh, merci! Ce monstrueux Lunari m'a poursuivi jusque dans le donjon et ne voulait pas partir. Merci beaucoup pour votre aide. Kuma, est-ce que t'as déjà entendu quelque chose à propos de cette ce monstre, cette bête sombre?
Tous les Lunaris sont violents, mais celle-là, elle semble encore plus concentrée sur la violence. Bah, à vrai dire, toutes les espèces sont différentes, même celles qui ont différents stages de développement. Enfin, différents niveaux de développement. Et mes référents... dans mes références, je détaille beaucoup d'expressions of aberrant behavior. De beaucoup de choses horribles. Donc en gros, tu sais quelque chose, mais pas vraiment, quoi. Ouais, plus ou moins, désolé. les villageois ont dit que le maître de guilde Laskian est toujours en train de s'occuper de la migration des Sportles. Ou alors il nous évite, quoi qu'il en soit. J'ai une autre et une pire nouvelle, malheureusement. Vous vous rappelez Jérémia, l'ancien gardien qui nous a attaqué? L'ancien gardien qui nous a attaqué? Il a attaqué Akil, en fait, mais... Pourquoi pas, quoi qu'il en soit. Jérémia est complètement bourré à la taverne et demande une revanche à Marcus. Apparemment, il taperait les gens. He hurts people for money, but he hurts us for free. Ouais, j'ai pas compris. Il s'attaque aux gens, à mon avis, il s'attaque aux gens pour leur argent, mais là, il le fera gratuitement pour nous. Ok, c'est cool. On va taper sur quelqu'un gratuitement. Alors, toi, tu m'es complètement inutile. Edgelock, tu es quand même assez inutile aussi, mais il faut que je garde un type plante, mais je vais t'augmenter, t'inquiète pas. Tant qu'à faire, je vais rajouter le Magma Rodeur. Voilà. Toi, je vais t'améliorer un coup. 343. Donc si j'en mets... Alors, j'aimerais juste en faire un tank en fait, chers amis. Voilà, 13 000, ça fait mal. Hop, salut mon pote. Toi par contre, tu mérites... Voilà. Quelques levels supplémentaires. Pour la forme, on irait bien s'entraîner un petit peu avant. Fight Lunari. Non, j'ai envoyé Edgelock, tiens, pour voir. Hop. Caustic Needle. Ah oui, c'est vrai, il bouffe les toxines celui-là, j'avais complètement zappé. Aïe! Boum! Quick Branch! Bon, ça se passe plutôt bien. Je le reconnais. Bon, dismiss. Il va falloir que j'aille m'entraîner. Il va falloir que je vois pour les lives, chers amis aussi. Parce que j'ai une connexion améliorée maintenant. Pas énormément. Attention. Donc j'aimerais quand même voir s'il y a moyen de faire quelque chose ou pas dans une qualité pas trop moche. Bon, on va aller voir l'autre tintouin là qui est complètement bourré au bar. Hey, Jérémia! D'accord, il veut nous montrer qu'il sait faire des arts martiaux. Ok. Rien à faire là, j'ai l'impression. Ouais, donc je te renvoie. Hop, les. Allez. Hop. Hop. Oh, un magma rodeur lui aussi. Hop.
peut toujours pas attaquer. Allez. Obsidian Drill. Oh la vache. Ça la régène. Ok. Il a un petit Growly derrière. Mr. Growly. Bimbi. Ah non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Boum. Voilà, ça c'est fait. Ouh, l'XP. Voilà. C'est pas fini, gamin. Tu penses peut-être maintenant avoir gagné, mais je reviendrai. Et on sera prêt, dit-elle. Loïs, ne tourne pas les gens. Je comprends pas. Encore une expression à la con. Bonjour Marcus, j'ai compris que tu avais été assez occupé dans mon ascense, durant mon ascense. Ouais, très très occupé. Quoi qu'il en soit, la bête sombre. Alors, c'est quoi le problème? S'il te plaît, tout d'un croire, il n'y a pas de raison de poursuivre cette pauvre créature. Tu devrais plutôt continuer ton entraînement. Putain, il enchaîne sur autre chose. Oh le con. Le Leaf Root est un superbe exemple de Solari de type nature. Entre dans le Sagali Ridge, dans le donjon, et soigne un Leaf Root pendant que tu étudies comment ils se battent. Alors non, on va pas faire ça, on va se faire quelques petits combats. Contre un Wayfarer. Hop. Et on va finir là-dessus, on va faire 3-4 combats, 3 combats je pense. Hop. Hop. Il nous faut de l'argent, chers amis, malheureusement. Oh, c'est joli le machin à droite là, j'avais pas vu ce truc là. Enfin, joli, non. Faut peut-être pas exagérer non plus. C'est juste complètement laid, mais. Quick Slam! Apparemment, ça veut pas crever à droite, à gauche. Hein. Storm Cannon! Envoyé Edgelock. Ah putain, il s'est fait tuer. Dommage. J'ai pas été là à temps. Oh, l'évolution de Sportle. Shell Shock. Hop, je peux utiliser une technique de type flamme, non? Ils sont balèzes dans le coin, eh! Toxic Needle! Va crever maintenant. Alors, est-ce que j'aurai le temps de soigner Shardstorm? Magma Strike! Je devrais avoir le temps. Non, j'ai pas eu le temps. Fais chier. Allez. Feu. Encore. Flame Bolt. Voilà. Three top Tussi. Je sais pas ce que c'est, j'ai gagné un succès, mais alors quoi? Yes! Ils sont balèzes, hein! Concentrons-nous sur un bonhomme. Allons-y un par un. Quick fire! Non, pas sur lui, pas sur lui. Non, par contre, j'avais. Alors là, je suis pas d'accord, j'avais visé l'autre quand même. Faut pas exagérer non plus. «
Ok, donc Vulcature, enfin le Magma Rôdeur est mort. Quand il est mort, Magma Rôdeur. Quand il est mort, Magma Rôdeur. C'est con, c'est lui que j'ai envie de faire évoluer. Enfin d'améliorer en tout cas. Voilà, ça c'est fait. Par contre, c'est en train de péter tous mes monstres en fait. C'est pas du tout rentable comme, comme évolution tout ça. Non, pas sur lui. Il est mort aussi. Quick Slam, voilà, ça c'est fait. Bon, on en chie. On va continuer parce que ça nous rapporte de l'argent, mais on en chie. J'avais dit 3 combats, on finit le 3ème. Hop là. C'est parti. Voilà, un de moins. Flame Bolt. Non, mais non, mais il a freeze. Il a freeze avant de passer, quoi. Voilà. Retourne le taper. Ouais, ok. C'est rentable au niveau de l'argent, par contre pour le reste c'est pas méga rentable. Hein. Ok. Ouais, il vient de one shot the dragon quand même, hein, le bestiau. Hein. Juste pour la blague, hein, quand même, histoire de vous le dire. Il l'a littéralement one shot. Hein. Ok. Bim, voilà. Bon, bah, y a de l'amélioration à faire. Un fashion token. Oh, vous avez de la chance, chers amis. Vous avez de la chance. On va aller voir le fashion token. Et comme ça, ça va nous gagner faire 5-10 minutes. Parce que de toute façon, il faut qu'on supprime des choses dans le. Ce sera. Une coupe moisie. Des bottes que j'ai déjà. Génial. Hop. Toujours pas. Putain. Ah, c'est parce que je dois avoir une teinte en trop, tous les coups. Bon, j'ai pas du rose. À quoi, voilà. Allez, pour la forme, chers amis, on va finir avec ça, style. Est-ce que j'ai quelque chose de bien au niveau du haut? Surtout pas. Peut-être qu'au niveau du chapeau, j'ai autre chose. C'est au niveau de la barbe qu'il faudrait changer quelque chose. Ah, oh, c'est laid. C'est tellement laid, chers amis. Bah écoutez, non. Voilà, on va peut-être remettre ça à tout péter. Voilà, et au niveau des, du bas. Il semblait avoir vu un truc sympa tout à l'heure. Voilà, peut-être ça. On peut pas changer la couleur. Ah, si, je peux changer la couleur. Hop. Non, non plus, non plus, non plus, pourquoi pas, pourquoi pas.
Ah, peut-être en orange non plus. Bleu jean non plus. Non. Surtout pas. Surtout pas, surtout pas. Peut-être ça. Plutôt celle-là. Confirme. Et au niveau de celle-là. J'aimerais mettre quelque chose un peu moins marron justement. Confirmé, voilà. Let's go. Voilà, il a changé Marcus. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Donc vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.